there was one thing you wish men understood better about women, what would it be? Like, when something is fine, it's not fine. Like read between the lines. You mean be a mind reader? Yeah, exactly. So men are expected to be mind readers. Exactly. Why do women often expect men to do things that they're not physically capable of? I don't know. I haven't encountered, like, I don't do that. Like, I don't expect men to do things they're incapable of. Isn't that what you just said, though? Being a mind reader? Mais, bon, après, je comprends, mais pour moi, je trouve... C'est comme ça. Je pense qu'en tant qu'homme, tu dois savoir lire entre les lignes. Je pense qu'en tant qu'homme, tu dois savoir lire entre les lignes. Alors oui, c'est marrant. Et oui, en tant qu'homme, on aura du mal à comprendre parce que nous, nous on est direct. On dit ce que l'on veut. Mais notre manière de communiquer est complètement différente. Donc, en tant qu'homme, il faut que tu saches lire le non verbal, quand elle te dit non, savoir quand c'est pas un vrai non. Enfin, attention les gars, parce que là, beautiful woman, faites attention quand même. Mais savoir quand elle dit ouais, non, si je vais bien, qu'en fait elle va pas bien, ouais, ben ça, faut que tu l'apprennes. Hein. Enfin, c'est ce que je te partage un peu dans le second nature féminine dans Zeus. Mais pour moi, ça, il faut que tu saches. De toute façon, les femmes, elles vont pas changer. Hein. T'auras beau montrer la différence de raisonnement qu'il y a entre les femmes et les hommes pour montrer qu'elles sont pas logiques, ben oui, elles sont différentes. Elles vont jamais changer parce que c'est leur nature. Donc il faut que tu saches, si tu veux avoir du succès en tout cas avec les femmes, que ce soit en relation court terme ou long terme, il faut que tu saches, entre guillemets, lire dans leurs pensées et savoir réellement ce qu'elle veut. Parce qu'une femme va jamais vouloir te dire exactement ce qu'elle veut. Tu vois, c'est comme si tu... Elle va jamais te dire dans l'intimité, par exemple, fais-moi un bisou ici, fais comme ci, fais comme ça, fais comme... Non. C'est pour ça que quand les gars, ils posent des questions... Alors déjà, pourquoi elle fait ça? Parce que ça va juste la désexciter. Une femme n'aime pas te dire exactement ce que tu dois faire. Elle veut que tu sois l'homme, que tu leads, que tu dois savoir. Pour elle, dans sa tête, tu dois savoir. Elle n'a pas à te dire, il faut que tu saches. C'est pour ça que les gars, ils font des erreurs quand ils demandent toujours des conseils aux meufs. Arrêtez de demander des conseils aux filles, elles vont te donner les réponses politiquement correctes. Mais elles ne vont jamais te dire réellement ce qu'il faut faire. Yeah. Well, you want us to read between the lines, right? Yeah. Okay, let me ask you this. Who's better at communication, men or women? Women. So if men are worse at communication, why do so many women expect men to read their body language? I think men are better communicators logically. Women are better with like communicating like emotionally. Ce qui veut dire qu'elles sont très mauvaises en communication. Parce que je vois pas ce que ça veut dire ça. Émotionnellement, une communication émotionnelle, c'est comment ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Hey, can you think of any situation where logic wouldn't outweigh emotions? I think logic should always outweigh emotion. Just said that she wants to be able to be understood when she says I'm fine and she's not fine. That's not good communication if she literally can't communicate that. I mean, she said that and not me. So she's a bad communicator. Well, we're better communicators in the sense of like we're better communicating our emotions. So when it comes to relationships, we're better. But like when it comes to like logic, maybe guys are a bit better at that. I don't know. And I'm gonna ask a question for the three of you. Who's better at self-improvement, men or women? I would say men. I would say it doesn't matter based on gender. Self-improvement just depends on the person, not the... Je vais quand même revenir sur ce qu'elle a dit ou quand elle dit ouais, que dans les relations, elle pense que les femmes communiquent mieux. Je ne suis pas forcément d'accord. En tout cas, d'expérience, je ne suis pas forcément d'accord de ce que j'ai vu. Elles expriment ce qu'elles ressentent, ok. Mais après, de là à dire... Parce que quand tu as... Pour être bon en communication, il faut que tu aies de l'empathie. Et vu les retours que j'ai, par exemple, un couple peut avoir une conversation. Le classique, elle a mal à la tête constamment. Okay, elle a mal à la tête constamment. Le gars lui explique, écoute, moi, en tant qu'homme, j'ai besoin de ça. Tu ne peux pas me laisser en galère. La meuf, elle ne comprend pas. généralement, les meufs, elles ne comprennent pas. Elle disait, ah oui, je comprends, mais rien ne change en fait. Ça, c'est un truc récurrent, mais rien ne change. Voilà, elle dit, ok, j'avoue. Merci pour l'info, hein. Merci. Mais voilà, c'est tout, tu vois. Alors qu'un gars, déjà, il faut qu'il lise entre les lignes, et en général, il va faire la chose si jamais, mais comme la femme, elle ne serait pas directement, moi, je veux ci, j'ai besoin de ça, tu vois, elle veut que tu le devines. Mais si jamais une femme exprime, par exemple, elle dit à son gars, d'une manière générale, je pense, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, le gars sera plus apte à vouloir changer, à faire les choses pour pouvoir
ok, bon, elle veut ça, elle aime ça, mais je m'organiser pour faire ce qu'elle veut, tu vois. Who's better at self-improvement, men or women? Who's better at self-improvement, men or women? Women. Women. Rate yourself on a scale of 1 to 10. 10. 10, baby. 2. A 2? What would it take to make you a 10? A lot of things. For the women who are 10s, isn't the first step towards improvement admitting you're not perfect? Yes. So then why would you admit you're a 10, which is perfect? Because I am perfect, thank you. Okay. You got it. That's, in 2 questions, you get to expose it. Et ça, tu vois, c'est un parfait exemple. Bon, pour 2 choses. Premièrement, oui, bah oui, les hommes, c'est pas que les hommes sont meilleurs pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, hein. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Tu vois. Les femmes naissent avec leurs valeurs, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, et les femmes naissent avec leurs valeurs, hein, je parle de valeurs au niveau du marché du dating, et les hommes doivent créer leurs valeurs. Donc en gros, aujourd'hui, surtout dans le temps moderne d'aujourd'hui, un gars qui a un corps moyen, qui a des finances moyennes, qui a une confiance en soi moyenne, qui a un charisme moyen, il est respecté par personne, et encore moins par les femmes. De toute façon, les femmes respectent les hommes qui sont respectés par le monde. Et pour pouvoir être respecté dans le monde, il faut apporter de la valeur au monde. Et pour apporter de la valeur au monde, en général, ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par avoir des compétences, être bon dans quelque chose. C'est pour ça que des gens qui... souvent les gars disent « Ouais, le gars, il est moche, mais sa meuf, elle est bien, mais comment ça se fait, le gars, il est trop moche ?» Il y a différentes manières d'attirer les femmes. Et l'une des manières, c'est si jamais tu es super bon dans quelque chose. Si tu es compétent. Les femmes cherchent des gars compétents, mais pas des losers. Okay? Donc ça, c'est pourquoi on n'a même pas le choix, en fait. C'est même pas que... on est meilleur ou pas, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Si jamais on veut être respecté, et ce qui est super important en tant qu'homme, on doit travailler sur nous. Alors que la femme, elle travaille sur elle si elle en a envie. Par exemple, là, les 3 filles que l'on voit là, je pense que les 3 là, elles n'ont pas besoin de travailler si elles n'ont pas envie. Si elles ont envie, elles peuvent. Mais si, imaginons, si elles sont féminines, eh ben là, elles peuvent trouver un gars et qui va s'occuper d'elles et puis ça va bien se passer, quoi. Tu vois, c'est, déjà, dans tous les cas, elle pourra toujours s'en sortir, quoi. Là, demain, elle, celle du milieu, elle pourrait recevoir un DM de, je sais pas, d'un gars de la NFL ou d'un NBA, boum boum, voyager partout, faire le tour du monde. Voilà, ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire. Donc ça, elles n'ont pas besoin de travailler sur elles pour pouvoir, un jour, par exemple, faire un tour en jet privé. Il y a toujours un gars qui va lui offrir un jour un petit tour en jet privé au calme. Donc c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on a juste pas le choix, en fait. I would say men, because like once there's a breakup, they go straight to, like, it depends the mentality. Like if you're a woman that likes to go to the gym, then it's similar. But like for men, like when there's a breakup, they go straight to the gym. They focus only on like bettering themselves, like eating clean, all that. What do you got? Ouais, bon, ça c'est pas tout le monde. C'est ce que les gars devraient faire. C'est sûr. Et c'est même pas après une séparation. Un gars devrait faire ça tout le temps. Un gars devrait bien manger pour avoir le six pack et s'entraîner constamment. Pas attendre d'avoir une séparation. Tu vois. D'ailleurs, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle est partie. Et si jamais tu avais travaillé sur toi et que tu es toujours une meilleure version de toi-même, eh ben, ça aurait continué à l'exciter. Elle n'aurait pas eu envie de partir. Mais le gars, il a dû travailler sur les mauvais trucs, faire la vaisselle. Je dis pas que c'est pas plus faire la vaisselle, hein, mais les mauvaises priorisations. Sois un homme d'abord avant de vouloir faire la vaisselle. Cry, drink wine and eat cookies. I don't do that. What do other women do? I don't know. I go to the gym. We talk about our feelings. Cry. I mean, there could be tears. It could get emotional, but yeah. Who do you think cries more? Both. I think y'all hide it more though. But y'all. Sounds like strength if you hide it. I don't think that's strength. I think that's sad. Crying in public is a sign of strength. Yeah, okay. If you were to cry right now, bro. It would be like you're strong. Yeah. Alors ça, c'est le classique des femmes qui veulent absolument que les gars chialent. Alors, j'ai jamais trop compris c'est quoi le principe. En fait, les femmes, elles voudraient qu'on soit les femmes. Ça, c'est un concept. Écoute bien ce que je vais dire. Ça, c'est un concept. Les femmes voudraient qu'on agisse comme elles, en fait. Et si on n'agit pas comme elles, elles disent, putain, il est chelou, lui. Les hommes sont chelous. Pourquoi ils chialent pas? Nous, on chiale tout le temps. Pourquoi eux, ils chialent pas? Parce qu'on est des hommes. C'est ce qui fait la beauté du truc, en fait. On est complémentaires, on n'est pas similaires. Et donc moi, ce que je pense du chialage,
Je pense que si tu chiales devant ta meuf parce que t'as du mal à je sais pas, à gérer certains challenges de la vie, je pense que ça va la désexciter, qu'elle va perdre du respect pour toi. Je pense que si tu veux chialer, vaut mieux que tu chiales devant tes potes, tu poses des questions, t'as des problèmes, déjà en tant qu'homme, c'est mieux de... Parce qu'un homme sait par quoi tu traverses. Il sait exactement que c'est dur, il sait les challenges que tu rencontres. Donc il sera plus apte à t'entendre. Et puis il ne va pas juste te caresser dans le sens du poil, il va dire ok, t'as chialé, c'est bien, mais maintenant faut se bouger parce qu'il ne va rien se passer. Tu vois. Si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et ça n'aura aucune répercussion sur ta relation. Moi j'ai déjà entendu des meufs qui ont perdu tout désir de leur homme quand le gars il a chialé devant elle. Alors est-ce qu'il y a des meufs qui pourraient accepter que tu chiales devant elle et ça ne change rien? Sûrement. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Ça je ne sais pas. Okay. Et puis après, d'une manière générale, bon ça c'est pour les plus fragiles d'entre vous qui aimez bien chialer. Mais après, si t'es un gars qui a pas l'habitude de chialer, mais gars, t'inquiète pas, t'es normal. C'est ce qu'on appelle être un homme. Et c'est pas une construction sociale. Oh là là, parce que ça aussi j'ai entendu ça des femmes qui disent ça. Oh là là, les pauvres, les gars, ils sont dans une construction sociale, on les empêche de pleurer. Et non, c'est juste qu'en fait, on est des hommes en fait. Nos émotions en fait, on les exprime de manière différente. C'est tout. Il faut pas être des femmes, les gars. Alors pourquoi c'est pas bien? Parce que nous on le fait. Mais ouais, vous êtes pas la référence les filles. Enfin, t'es une fille, moi je suis un homme. Kind of strength. Doesn't strength take courage? Bravery? You're out here crying? Like that's brave. Who's more honest, men or women? Definitely women. I would say men. I think people that have balls are more honest. Non, moi je pense définitivement que les hommes sont plus honnêtes, clairement. Après ça dépend des contextes, mais d'une manière générale, enfin t'as juste à voir. Nous, si jamais on voit un gars qui est pas bien rasé, t'as un de tes potes à toi, il est mal habillé, il est pas in shape, il est gros, ça va pas, tu vas dire hey, gars, faut que tu maigrisses, gars. Gars, t'es gros, c'est dégueulasse en fait, c'est pas bon. Il dira pas dégueulasse, mais il dira un truc similaire. Il dit mais gars, faut que t'ailles à la salle de sport, c'est abusé. Non, c'est pas bon. On va dire direct. Les filles entre elles, ça, leur copine elle est grosse, elle a mis une jupe, ça lui va pas du tout. T'es trop belle. T'es trop belle. Ou sinon, elles vont dire d'une manière détournée, etc. Non. Lizzo, la chanteuse, elle dit tout. Oh, Lizzo, elle était trop belle. Oh, go girl, you're right. Aime tes courbes. Ah là là là. La meuf, elle est obèse. Hein. Par contre, si jamais toi tu leur dis, ah ouais, toi tu ressembles à Lizzo. Comment ça, tu me traites de. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Tu vois, donc. Moi, je pense que c'est plus les hommes qu'on est direct. Nous, on est direct et on dit les choses directes. 100% of the time, that's men. Yeah. How much money should your baby daddy make? Your baby daddy's broke, though. Bon, là, ça s'annonce bien déjà. On sent le niveau du QI, là. Ideally, how much should he make? Well, me, I personally make a lot of money. I make around 250, 300k a year, so I want a man on my level. Tu vois, ça, c'est l'une des problématiques des femmes modernes. C'est que, ok, super, maintenant tu gagnes beaucoup d'argent. Et comme la femme, elle est hypergame, tu vois, je ne l'ai même pas. C'est tellement naturel maintenant, je ne fais même plus attention, mais la femme, comme tu as pu le constater, elle va toujours vouloir un gars qui est au minimum à son niveau. Donc là, elle fait 250 000 euros à l'année. Ça veut dire qu'on est dans les. Parce que les 10%, c'est 100 000 à l'année. Ça veut dire qu'elle vise les 5% et même moins, tu vois. Que ça fait, ça doit être entre 5 et 1%, tu vois. Donc là, ça veut dire que, ok, super, bah, félicitations, tu gagnes entre 250 000 dollars à l'année. Mais là, ça veut dire que tu vas viser un gars qui fait partie des 5%. En dessous des 5%, ok. Donc tu vas être directement en compétition. Ça va être très difficile, en gros, parce que ce gars-là est super rare. Déjà, chercher un gars qui fait partie des 10%, c'est super rare. Alors, faire en dessous des 5%, t'imagines bien que c'est encore plus chaud. Et puis en plus, après, il faut voir comment elle fait cet argent-là. Parce que si c'est un OnlyFans, chérie, attends, on va voir. Parce que là, quand je la vois, je me dis, c'est pas une avocate. Hein, l'habit fait pas le moine, mais c'est au moine qu'on reconnaît ses habits. Hein. Alors, je sais pas si je l'ai dit. C'est à ses habits qu'on reconnaît le moine. Voilà. Calme-toi, Gérard. Level or more. What do you do for work? Shit. I do a lot of shit. Ouais, bon, ben voilà. Donc voilà, donc, c'est clair. Si tu as dit, ouais, je fais beaucoup de shit,
ça veut dire que c'est, ça va être lié un truc à, au sexe, dans l'industrie du sexe. Donc bon, alors déjà toi t'as pas compris toi. Dans 5 ans ça va chialer, hein. elle va chialer par contre dans 5 ans, là elle pourra montrer toutes ses émotions, parce que là évidemment si jamais en plus t'es en compétition pour avoir un gars qui fait partie des moins des 5%, un gars qui fait partie des en dessous des 5%, c'est un gars qui a taffé au moins 10 ans dans sa life, qui a consacré 10 ans de sa life pour pouvoir arriver au niveau où il est. Et donc oui, maintenant toutes les meufs le veulent, mais justement il a le choix. Donc il choisira une femme, je pense, hein, à mon humble avis, il choisira une femme où tout le monde n'a pas vu son intimité sur internet, ou qui n'a pas fait des trucs super sales et que tout son entourage est au courant. L'autre jour j'avais fait, c'est pas l'autre jour... L'autre jour, je regardais les commentaires d'une vidéo, un short que j'avais fait, où j'expliquais que la femme reflète l'homme et qu'un homme masculin, en fait, va jamais accepter que, bah, que sa femme aille twerker à minuit ou je sais pas quoi, ou qu'il ne soit pas féminine, ou qu'il ne veut pas lui faire à manger, qu'il ne s'occupe pas de lui, ou qu'il a mal à la tête, ou un truc comme ça. Parce que la femme représente l'homme, elle est le reflet de l'homme, de son homme, tu vois. Et c'est incroyable parce que là, quand je dis ça, ça donne juste les standards d'un homme, ok? Je parle même pas des meufs, je dis juste le standard. Et il y a des meufs qui ont mis n'importe quoi, c'est un homme, un vrai homme. Alors ça, c'est toujours la technique de manipulation, il n'y a que les bêtas qui tombent dedans, hein, mais bon, là, ça marche quand même. Un vrai homme doit accepter sa femme comme il est et doit être fier de sa femme, comme elle est. Ben ça, c'est marrant, ça. Il n'y a qu'une femme qui peut dire un truc, un non-sens comme ça. Un truc basé uniquement sous les émotions. Voilà. Donc, donc quand quelqu'un est fier de toi, c'est parce que tu as fait quelque chose où il y a de quoi être fier. Si jamais tu vas aller twerker à minuit et tu me fous la honte, non, je ne vais pas être fier de ma femme. Et en aucun cas, de toute façon, tu sautes direct. Alors, à partir du moment où tu es ma femme et que tu me fous la honte, bien sûr que tu es un reflet de moi. Tout ce qu'un homme il veut, c'est du respect. Donc, si jamais tu as dit d'une manière où tu me dérespectes, à aucun moment, je serai fier de toi. Elles sont vraiment dans le... Mais là, si jamais tu es un gars, tu l'écoutes... Ah si, je suis un vrai homme. Tu peux faire ce que tu veux, je serai toujours fier de toi. Fais ce que tu veux. Hein? De toute façon, je suis fort, hein? Je suis un vrai homme. Tu sais, c'est le même raisonnement que Adam, il a. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'avais partagée où j'expliquais un peu. Adam, il a prêté sa femme. Plus, c'est une belle femme, tu vois. Il a prêté ça. Il a donné ça normal à un gars, un Renoir de 2 mètres, plus de 100 kilos, avec 3 jambes. Le gars il a retourné ça, il a démonté sa femme, après il lui a rendu, il a dit voilà, mais le gars moi je suis fort, un vrai homme, ça c'est rien ça, un vrai homme il peut donner sa femme, elle se fait frapper et après je reprends, il n'y a aucun problème parce que moi je suis fort dans la tête. Non, mais après il a compris que ça faisait mal, hein. C'est après je sens qu'il a regretté, il ne va pas le dire, mais évidemment qu'il a regretté, hein. Après vu les petits commentaires qu'il y a eu, à un moment donné il était jaloux, là, Anis, elle aussi elle l'a dit, en plus elle a kiffé avec le gars, lui c'est vraiment la pire situation, il fait genre ouais je suis fort, ouais, c'est ça un vrai homme. Un vrai homme, c'est un gars qui laisse sa meuf se faire démonter. Faites pas carotte, les gars, faire manipuler par ces demoiselles, par certaines. Hein. Elles sont pas toutes comme ça. C'est elles qui parlent le plus fort, mais t'inquiète pas qu'il y a plein de femmes qui disent rien, mais qui sont très bien. Donc, même petit j'aime et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un hack, regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, dans ton camp.